rouge. C'est drôle, ça se voit à peine. C'est tellement discret que personne ne l'a remarqué, sauf moi. Je pointe du doigt les joues d'Arthur. Hé, t'es tout rouge. Puis, tout va très vite. Un câlin d'œil à Paul, un coup de coude à Ronan, un gloussement de Léna, et c'est parti. Tout le monde chuchote en regardant Arthur. Laissez-moi tranquille, dit Arthur d'une toute petite voix. Mais on peut pas s'arrêter. Allez Arthur, montre-nous comment tu fais. C'est fou ça. Il suffit que Paul claque des doigts et c'est comme un coup de baguette magique. Les joues d'Arthur brillent comme deux feux rouges dans la cour de récré. Paul ricane. Arthur serre les dents. Ce n'est plus drôle maintenant. Je veux que ça s'arrête. Que Paul arrête d'embêter Arthur, parce qu'il est vraiment gentil, Arthur. J'ai peur de Paul. Paul est méchant. Il cogne comme une roue. Je suis pas aussi fort que lui. Je veux pas courir. Dans la classe, la maîtresse nous interroge. Est-ce que quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Silence. On peut entendre une mouche voler. Paul rigole encore. Moi, je n'arrive plus à respirer. Ma bouche reste fermée, mais ma main veut se lever. Non, il ne faut pas que je lève la main. Paul va me tuer. Mais soudain, Léna lève la main. Moi aussi, maîtresse, j'ai vu ce qui s'est passé. Puis c'est au tour de Ronan, puis de Louis et de Lucas. Tous les deux se lèvent les uns après les autres. Ouf, je respire un grand coup. Je suis encore vivante.